quand je vois les pubs à la télé où les marques essaient de nous faire passer pour naturels leurs produits chimiques, ça me met en rogne. Comme ces termes ne sont pas réglementés par la loi, n'importe quel fabricant peut coller ces mots sur son emballage, et ainsi tromper le consommateur. Et c'est le cas avec le désodorisant Febreze que l'on connaît tous. Il est vendu sous toutes les formes, spray, bougie, déo pour voiture, tenez-vous bien, voici une petite liste des produits toxiques qu'il contient, BHT, acétaldéhyde 1,3-dihydroylchloro-2-propanol-methylchloride-1-sbuthylchlorpanol-sbuthylchlorpanol, acétate d'éthyle, benzaldéhyde, éther de monoethylglycol éthylhexanol. CINNAMAL Exiliquid, ça n'est pas la liste exhaustive. Ça fait froid dans le dos, non? Respirer ces produits chimiques est évidemment dangereux pour la santé, depuis que je sais cela, plus aucun de ces produits ne rentre chez moi, d'autant qu'il est très facile et économique de fabriquer son propre Febreze 100% naturel. Regardez, ingrédients, un pulvérisateur de 500 ml, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 500 ml d'eau distillée, 10 gouttes d'huile essentielle bio, un seul parfum comme le citron, la lavande ou le thym, ou un mélange de votre choix parmi ceux proposés à la fin de l'article. Comment faire un? Mettez le bicarbonate dans un bol, 2. Ajoutez l'huile essentielle par-dessus, 3. À l'aide d'une fourchette, mélangez l'huile avec le bicarbonate. 4. Mettez ce mélange dans le pulvérisateur avec un entonnoir. 5. Complétez avec de l'eau distillée. 6. Agitez bien avant chaque utilisation. Résultat, et voilà. Vous avez fabriqué votre Febreze maison 100% naturel et sans produits toxiques, émoticônes souriants, facile, rapide et économique, n'est-ce pas? Vous pouvez maintenant respirer en toute sécurité dans votre maison, sans parler du fait que vous avez aussi économisé de l'argent au passage, émoticônes souriants, plus besoin de se soucier des résidus toxiques sur le berceau du bébé, sur les jouets du chien ou dans l'air de la maison. Idée de parfum pour votre Febreze maison, voici quelques-unes de mes combinaisons de parfums préférés avec des huiles essentielles. Réveillez-moi, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 5 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage soleil hawaïen, 5 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage, 3 gouttes d'huile essentielle de gingembre, 3 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang orange glacée, 3 gouttes de citron, 3 gouttes de menthe poivrée, 3 gouttes d'orange sauvage. Élevez-moi, 6 gouttes de citron, 4 gouttes de menthe poivrée lune bleue, 4 gouttes de bergamote, 4 gouttes de citron, 2 gouttes de romarin, 2 gouttes de menthe poivrée frais et fruitée, 4 gouttes de citronnelle, 3 gouttes d'orange sauvage, 2 gouttes de menthe poivrée. Pourquoi les ingrédients des produits du commerce ne sont-ils pas tous listés? Pour la seule et bonne raison qu'ils n'ont pas besoin de l'être. Et oui, les fabricants ne sont pas obligés d'énumérer tous les ingrédients car cela leur permet de protéger leurs recettes. Malheureusement, ces ingrédients cachés sont très nocifs pour notre santé. En effet, ils contiennent notamment des phtalates. Ces molécules qui font durer le parfum plus longtemps provoquent des malformations congénitales et de graves perturbations hormonales du système reproducteur masculin. Quant au musc de synthèse utilisé par Febreze, il provoque des allergies et d'autres perturbations hormonales très préjudiciables à notre santé. Vous l'aurez compris, mieux vaut utiliser cette recette 100% naturelle au lieu de dépenser son argent sur les produits Febreze. À votre tour. Vous avez testé cette recette de désodorisant naturel pour la maison? Dites-nous en commentaire si ça a été efficace pour vous. On a hâte de vous lire. Vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, comment je fabrique mon désodorisant de voiture, 21 astuces pour désodoriser naturellement sa maison.